Un petit peu par hasard, en fait, j'ai été contacté par la production de ce téléfilm, qui à l'origine cherchait simplement une prestation d'impression. Et puis, de fil en aiguille, en discutant, j'aurais dit que je trouvais un peu dommage, alors que nous étions un média à part entière, que le tournage se déroulait dans la région, pourquoi nous ne pourrions pas finalement jouer notre rôle. Alors évidemment, avant cela, j'ai demandé à voir le scénario pour être sûr que notre titre ne serait pas tourné en dérision, qu'il n'y aurait pas un côté caricatural du journaliste un peu trop, j'allais dire, rentre-dedans, un peu, enfin voilà, caricatural, j'ai pas d'autres termes. Et donc, voilà, assez rapidement, j'aurais dit, bah, si vous voulez, utiliser notre marque en tant que média, et puis je pense que ça peut apporter un peu plus de crédibilité à cette fiction. Alors non, parce que encore une fois, ça s'est fait de manière très fluide, il n'y a pas eu d'échange d'argent, il n'y a pas eu de tractation, il n'y a pas eu de... Très rapidement, j'ai donné mon accord pour qu'on utilise la marque, qu'on utilise même une partie de notre matériel, mais c'était pour nous, avant tout, de la visibilité qui nous était offerte, et puis ça n'allait pas au-delà. Alors, l'Esté Claire en est à sa troisième demande. On n'accepte pas toujours, je vous le disais en préambule, c'est-à-dire que on veille quand même que le téléfilm correspond et certaines valeurs, et qui, surtout que la marque ne soit pas tournée en ridicule, voilà, de quelque manière que ce soit. Donc il m'est arrivé de refuser, mais c'était plutôt pour des raisons politiques, enfin, qui ne correspondaient pas en tout cas à notre éthique. J'ai préféré décliner. We'll be right back.